Alors Loïc Malivet, président de la Fédération des éleveurs de galop, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a poussé à soutenir le projet créé par DENA avec Francir, celui qui est révolutionnaire, hein, des pédigrés étendus, mis à jour au quotidien, rapide rappel de ce que c'est. Vous avez une jument, il vous suffit de vous inscrire au tarif, donc du coup du plus de 15 euros, mais de 10 euros, tu veux nous expliquer pourquoi. Et vous avez un pédigré étendu, accessible n'importe où, n'importe quand, de votre jument sur 3 générations, avec toutes les performances françaises, anglaises, irlandaises, mondiales, les plus exotiques possibles. Obstacles évidemment, les passages aux ventes, les entraîneurs des inédits, etc. etc. Loïc, explique-moi. Oui, alors tu sais très bien Arnaud que de tout temps, la Fédération des éleveurs, nous avons essayé déjà d'informer au maximum et d'aider nos éleveurs. Nous sommes là pour ça. Et en fait, de tout temps, pour les pédigrés, on a eu des problèmes. On a eu quelqu'un chez nous qui les a fait, qui les faisait très bien, mais c'était sûrement pas complet. Et là, quand tu as sorti ton nouveau système, où d'ailleurs tu as informé surtout un de mes vice-présidents, en fait, Mathieu, et on a trouvé que c'était très intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes. La première chose, c'est qu'on a tous les résultats dans le monde entier. Pour la première fois, on a aussi l'obstacle qui est un peu plus détaillé. Mmh. Et très très important, les prix de vente des poulains sous les mers. Donc ça, c'est important. Et je crois qu'en plus, il y a aussi, pour les chevaux qui viennent de rentrer à l'entraînement, le nom de l'entraîneur. Oui, pour les chevaux installés en France, voilà. Inédit, bien sûr, de 2, 3 et 4 ans. Ce qui n'est pas évident à trouver. Ce qui évite des heures de recherche. Voilà. Alors donc, la Fédération des éleveurs, bon, on en a débattu comme on fait tout le monde, toujours. Hein, ça passe par le bureau, le comité. Et après un débat qui dure toujours un peu, on a décidé d'abonder à hauteur de 30%, ça veut dire sur les 15 euros que tu factures, qui est un prix moi, tout à fait accessible. Et pour une année complète. Bien, pour une année. Surtout que tu peux regarder ça le soir à minuit, trois jours à suivre, si tu as eu des événements sous la famille. Et donc la fédération donnera 5 euros, et donc ça ne coûte à nos éleveurs que 10 euros. Bon, j'espère que les éleveurs vont saisir cette opportunité parce que c'est très très important de suivre, quand on a des juments, de suivre un peu tout ce qui se passe autour de la famille. C'est un effort de clarté aussi. Souvent, les éleveurs, les gens qui ne connaissent pas, disent oui. Ah, c'est compliqué, on ne comprend pas, ou c'est pas accessible, ou est-ce qu'on a les infos là au moins. Et puis en plus, c'est sur le portable, voilà, quoi. Voilà. C'est vraiment n'importe quelle heure de la journée. Tiens, qu'est-ce que fait ma jument ces derniers temps, la famille? Paf! Alors, transparence. Voilà, c'est transparent, et puis c'est à nous, autant vous, Francir, que nous, d'informer un maximum pour que nos éleveurs saisissent l'opportunité, quoi. Maintenant, la balle est dans notre camp. Maintenant. Voilà. Eh bien, contactez, en tout cas, si vous souhaitez accéder à ce service, contactez les services de la Fédération des éleveurs. Si vous êtes membre, il y a combien de membres à la Fédération? Tout compris, 2000 adhérents. 2000 adhérents, c'est considérable. Adhérents. Considérable, ouais, ouais. 2000 adhérents, et on touche les 4 races. Donc AQPS, Anglo, les pur sang bien sûr, et les chevaux arabes. Voilà, et le Sud-Ouest, l'Exo, voilà. La Selco, ouais, ouais. Sont affiliés. Nous avons nos associations régionales, donc on va relayer un maximum pour qu'il y ait vraiment une... Bon, je pense que les éleveurs vont beaucoup s'engager dans ce processus qui pour moi est très important. Merci beaucoup Louis. Et donc... je donnerai l'exemple, j'ai encore 3 juments et je adhérerai le plus vite possible. Voilà. Dès demain, donc tout le service coûte 15 euros pour tout à chacun et pour tous les membres de la Fédération des éleveurs, c'est-à-dire à peu près 2000 personnes, et ben ils ont un nouvel avantage, ça ne leur coûte que 10 euros. Merci.